Je voudrais bien que pour la remise du drapeau. Bien. Vous remettez le drapeau au directeur général sortant. Merci. Serment de passation de service. Au nom de la trempe, s'il vous plaît. Nous allons donc procéder à la lecture du serment de passation de service. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, en application du décret numéro D-221-0077-PRG-CNRD-SGG du 9 novembre 2021 et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme directeur général de la police nationale le commissaire principal de police Abdul Malik Kone, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du sept service, l'exécution des règlements et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien, Monsieur le Directeur Général sortant, je voudrais bien remettre le drapeau guinéen au Directeur Général entrant. Monsieur le directeur général sortant peut reprendre sa place. Bien. Remise du drapeau. Voilà. Maintenant, le directeur général entrant va procéder immédiatement à la revue de sa troupe. Merci beaucoup. Thank you.
Nous allons passer la parole au directeur général de la police, au directeur général en temps, pour son discours. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence, monsieur le ministre de la sécurité et de la protection civile, monsieur le secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile, monsieur le directeur de cabinet au ministère de la défense nationale, monsieur le secrétaire général des forces armées, monsieur le chef d'état-major particulier des forces armées, monsieur le chef d'état-major particulier de l'armée de terre et mer, monsieur le directeur général de la police nationale, sortant, monsieur le commandant de la gendarmerie, monsieur le directeur de la justice militaire, monsieur le directeur adjoint de la droite, monsieur le directeur général du conservatoire de la nature, madame la chef de cabinet, monsieur le chef du quartier de Paléa, monsieur le général Sage de Major, monsieur le directeur Santé, mesdames et messieurs, monsieur le directeur général du service de police et de la protection civile, mesdames et messieurs, officiers, sous-officiers, agents de police, militaires de rang de l'armée et de la gendarmerie, gradés et gardiens de la paix, mesdames et messieurs, chacun en ses grades, qualités, fonctions ou protocoles confondus. Le 9 novembre 2021, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, le colonel Mamadi Doumbouya, m'a fait l'honneur en me nommant au poste le plus prestigieux de la police nationale, celui du directeur général. Tout d'abord, je rends grâce à ma famille, mes amis, mes proches, mes collègues policiers, mes collaborateurs de tous les jours, dans tous les secteurs, d'ici et d'ailleurs, et au peuple de Guinée dont je suis issu. Puisse Dieu me donner la santé et la force nécessaires pour me permettre de pouvoir supporter cette lourde chance et cette lourde charge avec des responsabilités écrasantes. Mais tout d'abord, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier très vivement Son Excellence Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pour m'avoir confié les destinées de la police nationale. Tout cela a été rendu possible sur proposition, évidemment, de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général à la retraite, Monsieur Diallo Bachir, le Premier ministre Mohamed Diallo. C'est une mission certes difficile, mais le défi est à relever pour honorer la confiance de Monsieur le Président de la République à mon égard et pour réaliser les nouvelles orientations fixées par le Président de la République et en train de tout mettre en œuvre pour nous sortir de l'ornière insécuritaire. Donc, je m'adresse à vous en vous assurant que ma nomination sera entièrement dévouée à l'institution policière ainsi qu'à la sécurité de nos concitoyens, en m'efforçant d'être homme de rigueur, respectueux des lois et à l'écoute, j'assumerai ma mission avec beaucoup de sérieux et d'honnêteté, comme l'exige l'institution. Il est vrai que l'institution a subi quelques turbulences, mais je compte réconcilier et instaurer la confiance entre la police et la population guinéenne. Il est important
que nos citoyens se sentent en sécurité au quotidien. Ma priorité ira dans ce sens-là. La sécurité de nos concitoyens est le premier devoir de l'État. L'intégrité physique des personnes est sacrée et je m'engage à défendre, grâce à l'engagement au quotidien des fonctionnaires placés sous mon autorité, cette sécurité des personnes. Ce droit à la sécurité doit s'appliquer toujours et partout sur l'ensemble du territoire national guinéen. C'est par la protection de l'intégrité physique qu'on rétablit l'égalité des citoyens et leur attachement aux institutions de notre pays. Aussi, je m'engage à faire reculer les violences, les incivilités, les trafics en tout genre, les rackets, le banditisme, afin que chaque Guinéen et chaque Guinéen se sente en sécurité. Toute personne qui s'engagerait sur la voie de la délinquance doit savoir qu'elle fera l'objet d'une surveillance des policiers. Il ne saurait y avoir d'impunité ou de sentiment d'impunité pour ceux qui bafouent les lois et menacent la tranquillité de nos concitoyens. Tout ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, je le reconnais, mais je donnerai toute ma motivation et toute mon énergie à endiguer ces actes qui polluent le quotidien de chaque citoyen. Cela se passe bien évidemment par la reconnaissance de l'action et de l'engagement des femmes et des hommes qui œuvrent inlassablement avec dévouement, courage, loyauté pour faire respecter les lois. Ces femmes et ces hommes que vous êtes, vous avez toute ma confiance. Vous méritez le respect de toutes et de tous pour votre engagement. Toutes ces missions et ces priorités que je viens de décliner me tiennent à cœur depuis mon entrée dans la police nationale et je les mènerai avec vous. Il faut s'attacher à installer une autre culture, une autre approche police-citoyenne. Celle-ci doit permettre de renforcer l'efficacité et l'efficience opérationnelle de la police nationale. La professionnalisation des policiers sera également pour moi une des priorités. Cela passe par la formation initiale et continue des cadres qui sont tout aussi prioritaires qu'essentielles. Je veillerai à ce que la formation soit au cœur de mon action. C'est aussi grâce à elle que nous parviendrons à atteindre des standards élevés dans la qualité de l'engagement professionnel de nos agents. Je m'engage donc devant vous et nos concitoyens à ce que la police nationale guinéenne soit une fierté pour nos institutions et notre pays. Devant nous et devant nos concitoyens, il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans une bonne police. Il n'y a pas une bonne police sans une bonne formation. Il n'y a pas une bonne formation sans un bon recrutement. Nous devons être une police respectueuse des valeurs absolues de la République que nous retrouvons d'ailleurs dans notre devise, à savoir le travail, la justice et la solidarité. Nous devons être une police respectueuse des règles de droit avec tous les principes de conformité. Pour cela, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos compétences, de vos expériences et de votre courage. Du courage, cela va de soi, parce que, comme le disait l'autre, le courage est la première des qualités humaines, puisque toutes les autres dépendent d'elle. Le changement est toujours difficile, même s'il est positif. Alors la résistance à ce même changement est le plus difficile, mais adaptons-nous. Mais avec vous, j'en suis certain que nous allons y arriver, puisque nous avons tout pour réussir. Si vous voulez, vous pouvez. Et je sais que vous le faites. C'est une réalité que je connais pour avoir été numéro 1 de la police du Sénat. Je souhaite vivement que vous m'accompagniez avec M. le ministre de la Sécurité pour l'atteinte des objectifs fixés par son excellence, M. le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. L'atteinte des objectifs sera faite par tous les services de police de la République du Sénat. Le président fait le maximum de lui-même pour la réussite de sa mission. Alors, accompagnez-nous. Mesdames et messieurs, l'histoire s'écrit au quotidien. Nous sommes en train d'écrire l'histoire ensemble, comme nos devanciers. Profitons dès maintenant pour entrer dans l'histoire de la plus belle des manières. Prenons nos responsabilités
et tâchons de nous placer du bon côté de l'histoire. Demain, nous serons comptables de nos actes et de nos actions devant les générations futures et devant l'histoire, qui est un redoutable juge, puisqu'à l'arrivée, l'histoire tranche toujours. Tirons les leçons du passé pour éviter les erreurs du présent et projetons-nous dans le futur avec le sentiment d'avoir accompli notre devoir, qui est celui de protéger et de servir. Ce qui permet à l'État de s'exercer, de protéger les personnes et leurs biens ainsi que les institutions de la République. Ce qui permet également à l'État de droit de s'exercer, pourquoi pas l'État-nation qui est le paroxysme du développement social et humain. Mesdames et messieurs, nous devons beaucoup à nos populations. Nous devons leur rendre compte car les armes et les uniformes que nous portons sont les symboles de la confiance que nos populations placent en nous. Il n'y a que par la volonté et le travail que nous pouvons y arriver. Et tout cela avec une certaine harmonie et une fraternité rassurante. Mesdames et messieurs, je mesure le poids des responsabilités ainsi que la complexité de la mission qui m'est assignée. Mais avec vous, votre concours, nous allons arriver à l'objectif fixé par le président de la République, le gouvernement Matidoumbia, et tout cela sous le contrôle, la coordination, la supervision et l'impulsion du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. À monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je lui souhaite encore bonne arrivée, puisque moi-même je suis de la maison. Je lui souhaite une belle réussite, je lui souhaite un bon courage, mais surtout une bonne chance. Vive la police nationale, vive le CNRD, vive le président de la République, le protecteur de l'Union, vive la République de Guinée. Je vous remercie. Je voudrais respectivement appeler à ce micro le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Normalement, il n'était pas prévu que je prenne la parole, donc je m'excuse de bousculer un peu l'agenda qui avait été initialement prévu. Et je m'excuse aussi fort pour la qualité de la sonorisation, également de la qualité et de la prestation au niveau, au cours de cet événement important qui consacre la passation de commandement entre le directeur général de la police entrant et le directeur général de la police nationale sortant. Vous savez qu'on est une force paramilitaire. Normalement, c'est à des occasions comme ça qu'on doit emprunter à l'armée pour avoir la meilleure prestation possible. Or, qu'est-ce qui caractérise une prestation? C'est sa précision et la rigueur dans laquelle
cela est organisé. Donc, je donnerai à l'avenir les instructions pour qu'on organise des cérémonies de ce genre à la hauteur du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Je disais que je ne devais pas normalement prendre la parole, mais j'allais m'en vouloir si je ne la prenais pas en ce jour si particulier, jour au cours duquel le directeur général de la police sortant va quitter le navire dans lequel nous étions tous embarqués. Vous savez, dans l'histoire, les hommes se succèdent. Et quand les hommes se succèdent, vous avez souvent des liens de fraternité qui s'établissent entre vous. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler, même si ça n'a pas été longtemps, avec le directeur général de la police sortant, avec lequel j'ai posé des actes extrêmement importants dans le cadre de la refondation de l'État prônée par son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes. Parmi ces actes, le premier acte le plus important, c'est des actes qui visaient notamment un certain nombre de directions dont la façon de fonctionner empêchait les citoyens d'avoir accès aux services de police et de la protection civile. C'est notamment la routière, la direction de la police routière. Vous savez qu'il n'est pas rare d'apercevoir un policier en train de prendre de l'argent avec les usagers de la route. J'avais donné les instructions au directeur général de la police sortant de mettre définitivement fin à cette action qui ternit l'image de la police et donc qui ternit l'image de toute la nation guinéenne. Le deuxième chantier que j'avais lancé avec lui, c'est les embouteillages qui rendent la vie impossible aux usagers de la route, qui doivent vaguer, qui doivent se rendre à leur lieu de travail ou se rendre à leur domicile. Sur ce chantier également, je lui ai donné des instructions. Je lui ai dit que nous sommes dans une république, il est tout simplement interdit que des citoyens qui sont plus pressés que les autres créer artificiellement des lignes supplémentaires de circulation qui n'ont pas raison d'être. Sur ce chantier également, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le directeur général de la police nationale sortant. Le troisième chantier le plus important à mes yeux, c'est le chantier lié à la délivrance des documents de voyage, notamment le passeport. On s'est rendu compte que autour des passeports, il y avait quand même un dysfonctionnement et qu'il fallait mettre justement un terme à ce dysfonctionnement. Parce que lorsque vous venez à ce département, vous avez l'impression que c'est une seule direction qui est là. Donc, sur ce plan également, je lui avais donné des instructions. Et on était sur l'élaboration des différentes stratégies pour mettre définitivement fin à ces agissements, ou du moins les atténuer. Il y avait également l'élaboration du plan d'action du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dossier sur lequel il était activement engagé. Je puis vous garantir que le peu de temps que j'ai eu à le pratiquer, et réciproquement,
J'ai été très satisfait de son engagement et de sa façon de travailler. Donc, je profite de l'occasion, au nom du président du CNRD, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, pour remercier et rendre hommage au directeur général de la police nationale sortant pour service rendu. Vous savez, lorsque vous donnez plus de 30 ans de votre vie pour qu'une institution fonctionne, quand vous quittez une maison après avoir servi cette maison pendant plus de 30 ans, il y a lieu de remercier les intéressés. Et pour le cas d'aujourd'hui, c'est mon cher frère, le directeur général de la police nationale sortant. Et au nom de tous les cadres avec lesquels j'ai eu à travailler avec vous, je vous félicite et vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Je trouve d'ailleurs que vous êtes plus beau dans cette tenue que la tenue de la police. Je vous le jure, vous m'avez séduit ce matin dans votre nouvel uniforme. Vous êtes extrêmement beau dans cet uniforme. Aussi, je vais revenir sur le directeur général de la police nationale entrant. Vous rentrez aujourd'hui dans l'histoire en devenant, à mon avis, le plus jeune directeur national de la police nationale. J'ai confiance en vous au regard de votre parcours académique et de votre parcours professionnel. Pour rappel, vous avez fréquenté l'une des plus grandes écoles de police au monde, l'école de police Saint-Cyr au Mont-d'Or. C'est dans cette école que sortent les plus grands officiers de police et les plus grands commissaires de police en France. Et nul ne peut douter de la qualité de la police française. Ce savoir-faire que vous avez acquis à cet endroit, votre parcours professionnel, le moment est venu de mettre tout ça en pratique et au service d'une police qui doit se transformer, d'une police en pleine mutation, d'une police où il y a beaucoup à faire. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai été honoré par le président de la République pour briguer le poste de ministre de sécurité et de la protection civile. Donc, dans la continuité des chantiers et des actions que j'ai menées avec votre prédécesseur, il vous appartient aujourd'hui de prendre le relais sans délai pour continuer à agir sans interruption. Pour clore ce chapitre, on est engagé dans la rédaction du plan d'action dans la continuité de la réforme du secteur de sécurité. Dans la réforme du secteur de sécurité engagée en 2010, beaucoup de choses et beaucoup d'actions ont été menées. Mais il reste encore beaucoup à faire. Donc c'est ce chantier qui vous attend. C'est ce grand chantier qui va reposer désormais sur vos épaules. Je vous fais confiance et je compte entièrement sur vous. Aussi, il n'y a pas que le directeur général sortant qui va à la retraite. Il y a plus de 537 cadres de la police qui vont partir. Je profite également de l'occasion pour rendre hommage à tous ces cadres, à tous ces braves cadres pour service rendu. Ils vont partir au même titre que le directeur général sortant. Quand vous allez tourner le dos aujourd'hui
à ce ministère, c'est votre bilan qui va parler à votre place. Donc, dans l'exercice de nos fonctions respectives, travaillons avec dévouement pour que notre bilan parle après nous. On ne dira jamais de quelque chose de vous qui sort en dehors de ce bilan. Donc les cadres qui restent, qui vont prendre la relève, je compte également entièrement sur vous. C'est un changement, c'est un vent du changement. Le président de la République a voulu rajeunir tous les services dans tous les départements. Et cela, il a commencé par le département dont il est originaire, le département du ministère de la Défense. Donc ce changement va se poursuivre et c'est un changement qui s'inscrit dans la logique de la refondation de l'État qu'il a prôné dans la charte de la transition. Donc je remercie tous les cadres ici présents, je remercie tous mes invités qui sont venus et bonne chance à tout le monde. Je vous remercie.